il est pas mal, hein, ce cadre. Vous savez ce que c'est? Eh oui, c'est les arts et métiers. C'est les arts et métiers, mais avant, c'était une abbaye, l'abbaye de Saint-Martin-des-Champs. Vous savez que je vais vous emmener faire un voyage, là. J'en suis très heureux. On va même utiliser une machine à remonter le temps. Il y a plein de choses qu'on va découvrir. La première bicyclette, le cinématographe des Frères Lumière, le téléphone Bell. Il y a des choses qui vous intéressent en particulier? Moi, j'adore tout ce qui va dans les airs. Vous, votre truc, c'est de défier les lois de la gravité. Vous aimez l'équilibre précaire, ça vous vient d'où? Ça me vient de ma propre existence. C'est plutôt pour donner à voir la fragilité plutôt que l'exploit. La science, vous, ça vous fascine? Oui et non. C'est-à-dire qu'il y a les deux versants dans la science. Hein. Il y a toutes les avancées pour le meilleur et aussi pour le pire. Hein. Bon, en tout cas, on va marcher dans les pas des grands inventeurs, des grands aventuriers. Est-ce que vous aimez les défis? Ah ben, j'adore les défis. De toute façon, on ne peut pas avancer sans défi. Bonjour Johan, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes jongleur, acrobate, danseur, chorégraphe, acteur. Vous êtes l'homme qui tombe, l'homme qui s'envole, l'homme qui rebondit, l'homme qui joue toujours en équilibre précaire. On va donc revenir dans cette émission sur votre parcours de haute voltige. Mais avant, je vous propose de découvrir les joyaux de ce musée des arts et métiers. Eh bien, allons-y, on y va. Le musée des arts et métiers, c'est le musée des premières fois. Première fois que nous avons volé, roulé, fait du cinéma, travaillé le verre ou la céramique. Ici, on explore le progrès technologique à travers des exemples bien concrets et l'on découvre un patrimoine unique au monde. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors notre invité aujourd'hui, Johan, c'est un homme qui aime s'envoler. On va s'intéresser aux objets volants, il y en a plusieurs ici. Il y a les premiers avions. Il y a les premiers avions. Allez, allons-y. Ah ouais. Ah oui, c'est impressionnant, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Alors, ben, vous êtes sous les ailes du premier engin, premier avion, à avoir réussi à décoller du sol. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Il a volé, cet avion-là? Alors, on évoque plutôt un bond, puisqu'il va faire 300 mètres, mais à une hauteur de 50 cm environ. Ça va, t'auras pas le vertige? Non, 50 cm, je pense que ça va aller. Ouais, c'est fou. Ah non, c'est assez fou de le voir d'aussi près. C'est incroyable quand même de se dire qu'on a traversé la Manche avec cet engin-là. Alors il faut imaginer en ce 25 juillet 1909, 5h30 du matin, 37 petites minutes vont suffire à Louis Blériot pour rejoindre les côtes anglaises. Incroyable. 37 petites minutes qui vont changer l'histoire de l'aviation et l'histoire de Louis Blériot. Alors, Karine, vous ne le savez peut-être pas, mais dans le tout dernier spectacle de Johan, qui se tient au Panthéon, il y a un pendule de Foucault, le fameux pendule de Foucault du Panthéon, qui est accroché à 67 mètres de hauteur. Et évidemment, il joue avec. Et ici, vous nous expliquez comment fonctionne le pendule de Foucault. Cette démonstration permet d'apporter une preuve palpable de la rotation de la Terre sur elle-même. J'ajoute les petites quilles qui vont permettre, en fait, de visualiser le phénomène. On a évidemment tendance à penser que c'est le plan d'oscillation du pendule qui, petit à petit, en tournant, fait tomber les quilles. Et en fait, pas du tout. Ce n'est pas le pendule qui vient aux quilles, ce sont les quilles qui viennent au pendule. Oui, c'est ça. Parce que la Terre tourne. Parce que la table tourne, l'église, nous avec, parce que la Terre tourne sur elle-même. Johan, dans votre spectacle au Panthéon, est-ce que le pendule de Foucault alimente votre réflexion et votre créativité, votre création? Bah oui, parce que moi, je m'intéresse à tous les phénomènes physiques. J'essaye de les rendre perceptibles. Et là, ce dispositif-là, du pendule de Foucault, je le trouve particulièrement éloquent et c'est ça qui m'intéresse. On donne à voir des rapports de force élémentaires comme l'inertie, l'équilibre, l'énergie. Et au passage, vous offrez le Panthéon de votre vivant, vous ne doutez de rien? Non. C'est bien. Thank you.
Johan, quand j'ai préparé cette émission, je me suis demandé comment vous nommez. Vous êtes circassien, danseur, chorégraphe, acteur. Comment est-ce que vous vous définissez? J'essaye vraiment de ne pas me définir. C'est vraiment important pour moi. Après, je dois avouer que je viens du cirque et que je continue à travailler des techniques classiques du cirque telles que la voltige, l'acrobatie, le jonglage. Mais j'aime penser que je suis à un endroit de lisière entre différentes disciplines. Vous venez de le dire, inclassable. Vos spectacles sont aussi tous différents les uns des autres. Il y a toujours quand même un point commun, c'est une recherche de l'équilibre. Une recherche plus précisément de ce que vous appelez, vous, le point de suspension. Expliquez-nous. Alors, le point de suspension, c'est une notion que j'ai découverte en faisant du jonglage. Et c'est un moment, ou plus précisément un instant, où quand l'objet des jongleurs est lancé, celui-ci atteint le plus haut point juste avant la chute. Donc c'est un instant assez intéressant parce que à cet endroit, l'objet est délesté de la gravité. Et c'est l'instant exact, ce point de suspension, c'est-à-dire il ne dure pas. Et j'ai l'impression qu'il est exactement à la croisée de deux champs lexicaux, le champ lexical de la physique avec l'absence de poids et le champ lexical temporel, c'est-à-dire l'instant absolu, le présent. Et l'objet, souvent, c'est vous. C'est alors... vous qui vous êtes lancé et qui atteignez ce point de suspension avant de retomber. Qu'est-ce qui se passe dans ce très très bref instant qui, j'imagine, doit durer à un quart de dixième de seconde? Eh bien, il y a une volupté toute particulière. C'est vrai qu'à force de lancer mes objets, j'ai voulu me mettre à leur propre place. J'ai voulu moi-même être jonglé, donc j'ai utilisé des moyens, des engins de propulsion, tels que le trampoline, la bascule, la balançoire russe, tous ces trucs un peu barbares, mais pour essayer en effet de moi-même me suspendre. Vous avez créé votre compagnie en 2010 et vos compagnons de jeu viennent d'horizons très différents. Vous n'aimez pas cloisonner. Ce qui a été à la base de ma compagnie, c'est quelque chose que j'ai appelé l'atelier du joueur, qui était une manière de réunir des artistes issus de champs différents sous ce prisme-là, le jeu. Et en même temps, c'est une manière pour moi de rester connecté à l'enfant que j'étais. Alors, quelle est votre ambition à la tête du Centre chorégraphique national de Grenoble? Ce qu'on essaie de faire, c'est, je pense, un large geste de décloisonnement. On a essayé de créer un centre de création le plus mobile possible pour pouvoir entretenir des rapports un peu inédits avec des tas d'environnements. Et j'aime essayer d'imaginer des spectacles ou des ateliers qui vont pouvoir être très mobiles et rencontrer aussi des populations qui n'avaient pas forcément prévu de rencontrer l'art, en quelque sorte. Dans le nom de vos spectacles, Cavale, L'art de la fugue, Celui qui tombe, le drame n'est jamais loin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui annonce quand même un désastre. Est-ce que c'est conscient? À chaque fois, les dispositifs que je crée, les dispositifs sur lesquels reposent ces spectacles-là, précarisent en quelque sorte l'environnement. Dans ces scénographies, effectivement, la vie est un tout petit peu plus dure qu'au quotidien. C'est sans doute parce que j'ai l'impression que l'époque dans laquelle on vit actuellement est une époque de profonde mutation où les choses qu'on croyait stables en réalité se découvrent plus fragiles qu'on ne le croyait et du coup réfléchissent aussi notre propre fragilité. Et est-ce que vous vous imposez des contraintes physiques de plus en plus grandes ou la poésie reste l'axe principal? La base de mon langage poétique, c'est la contrainte physique. Pourquoi la contrainte physique? C'est peut-être parce que je cherche un langage qui soit universel. Et les langues, habituellement, sont toujours plus ou moins reliées à des cultures. Et j'ai l'impression que dans la grammaire que j'utilise, les éléments essentiels sont des éléments auxquels on doit tous faire face, qu'on soit enfant, qu'on soit vieillard, qu'on soit asiatique ou qu'on soit africain. On doit tous supporter son propre poids, on doit tous essayer de tenir debout. Et c'est les éléments principaux qui constituent mon langage.
défier les lois de la physique, rechercher toujours, repousser toujours un peu plus loin les limites de l'équilibre, ça correspond à quoi ? Un besoin de contrôler, de jouer sa vie, de ne pas mourir ? Dans la défiance au phénomène physique, la prise de risque en général est pour moi un intensificateur de présence. Et c'est ça que je cherche, c'est à travers ces expériences avoir le sentiment d'une vie particulièrement intense. Dans son Paris des Arts, Johan nous emmène à la rencontre du scénographe et designer Richard Peduzzi. À Paris, il a notamment été directeur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. À Rome, il a régné sur la Villa Médicis. C'est l'un des plus grands décorateurs de théâtre de notre époque. Son dernier défi, offrir à la Scala, cette ancienne salle du boulevard de Strasbourg, les parures d'un haut lieu de la culture. Richard, c'est votre dernier bébé ici. Nous sommes oui, à la Scala. Il n'est pas encore né. On attend tous avec impatience qu'il arrive au monde. Septembre 2018, premier spectacle. Voilà. Et vous avez été chargé d'imaginer évidemment le décor, la scénographie de cet endroit. Oui, qu'est-ce que vous avez imaginé ? Chargé de donner un esprit, de donner une couleur, de retrouver l'odeur du théâtre. C'est-à-dire que là, vous partez à la fois d'un trou béant, oui. Mais c'était un lieu. D'ailleurs, quand j'ai vu la première histoire... fois, ça m'a fait partir en courant, tellement c'était un trou, de la poussière, des ruines, tout ça. Mais en fait, les ruines renaissent, donc c'était intéressant de travailler là-dessus. Et puis j'ai eu la chance de voir les spectacles, de rencontrer des gens comme Johan, d'admirer vraiment ce qu'il faisait. Ça m'a redonné le goût de repenser le théâtre autrement, presque. Bon, alors Johan, évidemment, vous êtes très attentif au travail de Richard. Et pour cause, c'est vous qui allez ouvrir le bal ici à la Scala. Vous avez un peu la pression ? Un petit peu, je dois dire, mais surtout beaucoup d'excitation. Ouais. Parce que là, je vais tenter de faire jouer le théâtre au sens propre, c'est-à-dire d'utiliser presque le théâtre à la manière d'un agrès. Quoi. Richard, vous nous faites visiter le chantier ? Bien sûr, avec joie. Allez, on vous suit, hein ? On se casse la gueule. Oui, oh, il y a de l'eau, là. Là. Richard. Oui. Elle va être où, la scène ? Alors, la scène, elle va être partout, en fait. D'accord. Il va y avoir des gradins transformables dans tous les sens. D'accord. Et puis, elle va être aussi frontale, comme un théâtre à l'italienne. Les possibilités que ça va donner d'exploiter le lieu, de permettre aux artistes d'inventer des mouvements, des choses, des situations différentes, je crois que ça va être extraordinaire. Le théâtre, vous y revenez ? Ça a été une longue, longue période de votre vie. Ah ouais. Elle a débuté avec une rencontre décisive en 1967, rencontre qui date un peu. Vous êtes au courant de tout, c'est Patrice très bien. Chéreau, ouais. Avec lui, ça a été le début de la grande aventure. Ah bah ouais, c'était extraordinaire. Ouais. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer Chéreau qui a laissé libre cours à mon imagination. Je lui montrais des dessins, on en parlait, mais il me laissait toujours libre. Voilà. Mais et c'est comme ça. Et avec lui, vous avez fait presque tous ces décors. Tous ces décors, ouais. Depuis tous ce moment-là. Ouais. Vous avez vu qui arrive ? Ah, Mélanie et Frédéric Biessy, les heureux propriétaires du lieu. Vous êtes content de ce qu'a inventé, de ce qu'a imaginé Richard, cette scénographie tout de bleu vêtu ? Ouais. Oh. Mais c'est vrai, c'est un enchantement. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi Johan pour ouvrir le bal ? Pour la même raison. Un coup de cœur. Pour la même raison que Richard. Et avec Johan, on ne pouvait que s'envoler dans le ciel de Paris. Pour notre questionnaire du Paris des Arts. Mon plus beau souvenir, je crois que c'est une séance d'hypnose nocturne au cimetière de Montmartre. Ça a duré toute la nuit, c'était incroyable. Avec un professionnel ? Oui, une professionnelle. Sur des tombes ? Pas sûr, non. Non, non. Pas loin. Pas loin. J'adore l'ancienne voie de chemin de fer qu'on appelle, je crois, la petite ceinture vers le 15e arrondissement. Alors, je sais pas, on peut pas vraiment appeler ça une salle, mais disons, vu que j'aime jouer partout, je rêverais de jouer à la piscine, je crois qu'elle s'appelle Molitor. Molitor. Ouais. Mmh. Je dirais une douce turbulence.
un petit restaurant vraiment minuscule qui s'appelle le Daraton, rue Édouard-Jacques, dans le 14e. Le silence. Une paradoxale. Merci Johan Bourgeois. Merci. Ainsi s'achève votre Paris des Arts. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Johan sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. À très vite. Qu'est-ce qu'on fait, on prend un parachute ou quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Je dirais... Ah! Oh la mince! Ouf! Ça va? Oui, ça va. On m'avait dit que j'étais joueur. Ah, ça, on doit la refaire à nouveau. Je suis désolé, vous êtes pressé, je suis vraiment désolé.